Bonsoir à tous et bienvenue dans ce magazine. Au sommaire, la Guinée a fêté cette semaine les 66 ans de son accession à l'indépendance du discours du président de la transition au traditionnel dépôt de la gerbe de fleurs jusqu'à la cérémonie officielle. Nous revenons sur les temps forts de cette célébration dans ce magazine. Éventuelle candidature du président Doumbouya pour les prochaines élections pendant que le président de l'UFR, Sidya Touré, ne trouve pas d'objection et pose des conditions. La cellule de communication du parti tente de défendre les propos de son leader. Elle parle plutôt de boutage. Explication à suivre. Et puis, comme reportage de la semaine, on zoom sur le sergent Tamba Noël Ouamouno, tirailleur africain de nationalité guinéenne. Ce sous-officier, après avoir servi pendant des mois au sein des troupes françaises de l'époque, termine à simple gardien dans son propre pays. À 76 ans, son histoire donne des frissons, vous le verrez dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Encore bonsoir, fête de l'indépendance de la Guinée. Le président de la transition s'est adressé à la nation dans la soirée de ce 1er octobre 2024. Le général Mamadi Doumbouya, après avoir fait un rappel historique, a comme un avertissement réitéré son engagement inébranlable à défendre les principes fondamentaux du développement, notamment la préservation de la paix et la lutte contre la corruption. Abdallah Camara, décryptage. S'adressant à la nation au soir de ce 1er octobre, veille de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, le président Mamadi Doumbouya a tenu à rappeler les différentes luttes des pères de la nation. Soucieux de la paix et de la cohésion sociale dans le pays, le président de la transition invite l'ensemble des Guinéens à mettre de côté les divisions et les querelles intestines pour bâtir un avenir commun. C'est une occasion de fierté nationale. Un moment de réflexion profonde sur le chemin parcouru et sur les défis encore à relever pour garantir un avenir prospère et harmonieux à notre peuple. En ces jours mémorables, je rends un vibrant hommage aux acteurs et compagnons de l'indépendance de notre pays, ainsi qu'à toutes les personnalités politiques qui ont été à l'avant-garde du combat pour la liberté, l'autodétermination et la dignité des peuples d'Afrique. Vis-à-vis de son combat à faire de la justice la boussole de la transition et de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, Général Mamadi Doumbouya reste intangible. C'est pourquoi, au niveau de la justice, nous avons pris des mesures fermes pour lutter contre la corruption. La justice doit être le socle sur lequel se fonde la confiance de notre peuple. Je réitère mon engagement inébranlable à défendre ces principes fondamentaux pour notre développement. Malgré toutes les tentatives de chantage politique, comme je l'ai toujours dit, dans la lutte contre la corruption, ma main ne tremblera jamais. Une adresse à la nation faite sans aucune once d'annonce sur la question cruciale du retour à l'ordre constitutionnel. Et à l'image de ses prédécesseurs, le président de la transition a procédé au traditionnel dépôt de la gerbe de fleurs à la place des martyrs dans la matinée du 2 octobre en compagnie de son épouse. Le général Mamadi Doumbouya témoigne ainsi de sa reconnaissance aux efforts des héros pour l'indépendance guinéenne. Amara Bangoura. 10h du matin à la présidence, le président de la transition tient la main de son épouse, direction place des martyrs, sous un dispositif sécuritaire imposant. Mais d'abord, l'hymne national.
après l'hymne de la liberté, le général Mamadi et Lauriane Doumbouya se dirigent vers la place des héros dont la lutte est symbole de la résistance africaine pour déposer la gerbe de fleurs en signe de reconnaissance à leur sacrifice pour l'indépendance guinéenne acquise il y a 66 ans. Étaient présents à cette cérémonie des membres du CNRD, dont le ministre porte-parole de la présidence, des cadres de la présidence, dont le ministre directeur de cabinet, des membres du gouvernement, dont le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, et la gouverneure de la ville de Conakry, mais aussi des citoyens fortement mobilisés. De la place des martyrs à direction Dixine qui a accueilli la cérémonie de célébration officielle de la fête anniversaire de l'indépendance guinéenne devant des citoyens mobilisés pour la circonstance. Les forces de défense et de sécurité ont défilé en signe de démonstration de force et de présentation de l'arsenal sécuritaire moderne acquis depuis 66 ans. Images et témoignages dans ce reportage à Damara Bangoura. L'événement traduit l'expression d'une indépendance assumée sans regret. Devant une foule en liesse, la Guinée à travers ses forces armées donne raison à ses pères fondateurs en démontrant ses acquis pour la défense du territoire national. La joie que je ressens, c'est tellement grande que je ne veux pas m'expliquer. C'est grâce à cette indépendance que nous avons eu notre liberté et nous avons eu tout ce que nous avons aujourd'hui. Et pour cela, nous remercions tous les Guinéens ainsi que nos aïeux qui ont participé à cette indépendance. Bien que les résistants aient appartenu à une région naturelle, leur combat était orienté vers un objectif commun, celui d'offrir à tous ses compatriotes la paix et la liberté. Une occasion saisie par les citoyens d'appeler au vivre ensemble. Tout un Guinéen, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. C'est notre indépendance qui a été faite par notre célèbre président, Ahmed Sékou Touré. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans ça. Jusqu'à présent, on le fait au nom de notre pays. Il faut rappeler que la cérémonie a été présidée par le président de la transition. Comme annoncé au sommaire, c'est une sortie qui a suscité d'énormes réactions en Guinée ce jeudi. Il s'agit de celle de Sidya Touré, président de l'Union des forces républicaines UFR depuis la Côte d'Ivoire. Les propos qui lui sont attribués parlent de l'éventuelle candidature du président de la transition à laquelle il ne serait pas opposé. Faux, rétorque le chargé de communication du parti dans une interview accordée à notre rédaction ce vendredi, Germaine Mansari et Ansou Baye Le Baldé. Faux des Baldés. Responsable de communication de l'Union des forces républicaines déclare faux les débats attribués à Sidya Touré sur une éventuelle candidature du président de la transition. Le général Mamadi Doumbouya, pour lui, l'UFR n'est pas le porte-parole du CNRD pour tenir de tels propos. Je m'inscris en faux. Pas plus. Car lui-même dit qu'il n'est candidat à rien. Comment voudrez-vous que ce soit nous qui le disions? Est-ce nous le porte-parole du général Mamadi Doumbouya ou encore le porte-parole du CNRD? Non, on ne le sait pas. Et bien, je pense que ce sont des choses qui ont été déjà traitées par la Chambre de la Transition. Dans son entretien avec le média étranger à qui Sidya Touré a accordé l'interview, il a été question de parler de son domicile récupéré par le CNRD à Conakry, selon Fode Baldé, et donc... Le sujet fondamental au sein du parti est d'étudier sur le retour de leur leader en Guinée après plusieurs années d'absence. Non, je ne pense pas que le président ait dit cela. En tout cas, ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, c'est que le président a rappelé les conditions dans lesquelles il a quitté la Guinée, les conditions dans lesquelles sa résidence lui a été expoliée. Il a aussi rappelé l'amour qu'il a pour ce pays. C'est son pays, ce sont les pays de ses aïeux, de ses ancêtres. Donc, il est important qu'à un moment donné, vous ayez l'envie de venir chez vous. Alors que, on le sait très bien, c'est quelqu'un qui n'est pas resté pendant longtemps à l'étranger sans pour autant mettre les pieds en Guinée. Donc, comprenez l'amour qu'il a. Et on comprend aussi l'espoir que cet homme suscite au sein de l'opinion. On comprend.
pourquoi les gens souhaiteraient effectivement qu'il prenne la parole pour dire que Mamadi pourrait être candidat, parce que cela constituerait effectivement un poids important pour donner la voix à la dynamique, mais ce n'est pas le cas. Il faut retenir que Sidya Touré est l'un des leaders politiques qui sont déjà exclus aux prochaines échéances électorales en Guinée. Au regard du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution, qui a déjà fixé l'âge maximal à 80 ans pour tout candidat. Et puis, les exportations bauxitiques reprennent du souffle en Guinée après une baisse de moins 6% du 9 au 15 septembre 2024. La Guinée vient d'enregistrer une hausse de plus de 2% des exportations bauxitiques, même si les exploitations d'alumine ont chuté de 25% entre le 16 et le 22 septembre 2024. Le pays connaît une progression significative. Fatoumata Kane. Contrairement à la semaine du 9 au 15 septembre 2024, où les exportations bauxitiques avaient baissé de moins 6%, la Guinée enregistre une hausse de plus de 2% des exportations bauxitiques dans la semaine du 16 au 22 septembre 2024 dans les ports minéraliers de Kamsar, Dapilon, Katungouma, Kokaya, Tarensa et Conakry. Les chiffres indique clairement une nette progression de la société minière de Boké, SMB, qui occupe la première place dans le classement des sociétés minières avec une exportation de 983 697 tonnes contre 929 087 tonnes selon le dernier bilan, soit une augmentation de plus 6%. Elle est suivie de l'Alliance guinéenne de bauxite, d'alumine et d'aluminium avec une exportation de 369 428 tonnes et de Guinea Aluminium Corporation avec 351 505 tonnes. Au total, 2 402 996 tonnes de bauxite ont été exportées pour 15 navires contre 2 346 401 tonnes de bauxite exportés précédemment pour 18 navires. Si les exportations bauxitiques ont connu une hausse, celles de l'alumine ont plutôt baissé de moins 25% par rapport au dernier bilan hebdomadaire du ministère des Mines et de la Géologie, rappelle le site Ecofinance Guinée. Seulement 29 495 tonnes d'alumine ont été exportées du 16 au 22 septembre contre 39 417 tonnes exportées relativement au rapport du 15 au 25 août 2024, soit un repli de moins 25%. Dans l'actualité, la menace de mort contre toute personne qui brûlerait une effigie du président de la transition par le préfet de Cancan provoque des indignations chez les défenseurs des droits de l'homme. Mamadou Kali Diallo, membre de la baïonnette intelligente, demande des enquêtes pour élucider le décès du médecin dans une prison après avoir été interpellé à la suite de l'incendie de la photo du général Mamadi Doumbouya à Cancan. En Soubaïlo Baldé. L'indignation est grande, c'est Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme. Les propos tenus par le préfet de Cancan méritent une sanction. C'est pourquoi il invite les autorités de la transition à prendre des dispositions à cet effet. C'est des propos très graves. Hein? J'ose espérer que les autorités prendront toutes les dispositions nécessaires afin que ces propos soient punis. Parce que vous savez, au nom de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. L'État a l'obligation de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. La charte, hein, en son article 8, protège les libertés, protège les biens. Et d'ailleurs, elle va jusqu'à réitérer qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme. Là, on est en train de parler le droit à la vie, l'un des droits les plus précieux. Voyez-vous. Kandiamara a, dans une interview accordée à la presse depuis Cancan, menacé de mort toute personne qui va brûler une effigie du président de la transition. Le préfet a même fait une allusion au médecin qui est mort en prison après avoir été interpellé pour le cas de la photo du général Mamadi Doumbouya incendié en plein cœur de la ville de Cancan. Pour Mamadou Kali Diallo, cette attitude vient aggraver la situation. Qu'il y ait un mort en détention
dont les circonstances de la mort n'ont pas été élucidées et que le préfet, en tant que première autorité locale, avance de tels propos, voyez-vous que ce sont des propos qui menacent la paix et la stabilité. C'est des propos qui sont très dangereux. Le défenseur des droits humains évoque l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit ses principes fondamentaux à toute personne. Il s'agit du droit à la vie et à la sécurité. Place à l'éducation. L'école est-elle une priorité en Guinée? L'image que présentent des établissements scolaires publics en Dilon manque d'entretien, vétusté des bâtiments, absence de table-banc ou tout autre confort. Voilà la triste réalité dans certaines écoles publiques. Les syndicalistes de l'éducation s'indignent et s'interrogent sur la destination des fonds accordés à la Guinée par l'UNICEF. Amara Bangora. La réalité dans les écoles publiques sort de tout commentaire. Insuffisance de table-banc, manque d'entretien ou de confort, ce sont entre autres les difficultés auxquelles sont confrontés les établissements scolaires de l'État. Des problèmes qui devraient être pourtant résolus par une subvention débloquée par l'UNICEF. Pour le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, les écoles n'en bénéficient pas. Nous avons mené des investigations sur le terrain. Effectivement, nous avons vraiment prouvé dans les endroits que ces subventions ne sont pas payées, ne viennent pas à destination, pendant que l'UNICEF débloque cette somme. Comme conséquence, certains chefs d'établissement public sont obligés de prêter des table-bancs aux écoles privées à l'approche des examens nationaux selon notre interlocuteur. La situation est telle que rares sont les cadres ou les ministres qui conduisent leurs enfants à une école publique. Un paradoxe imputable à l'État qui ne valorise pas le secteur selon Michel Pepe Balamo. Vous allez voir, du président jusqu'au dernier commis de l'État, aucun n'a son enfant dans une école publique. Mais si ils ne sont pas dans les écoles privées, ils sont dans les écoles à régime français ou ils sont à l'extérieur. Alors que pendant le premier régime, tout le monde se trouvait dans les écoles publiques et cela valorisait les écoles publiques. Ces acteurs invitent le président de la transition à s'y intéresser pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage aux enfants. Place au reportage de la semaine. Devoir de mémoire oblige. Nous vous plongeons ce soir dans la vie d'un homme qui a tout donné à sa patrie et à son continent sans rien avoir en retour. D'abord à tirailleurs africains, sergent Tamba Noël Ouamouno, de retour au pays, a fini comme simple gardien. Du haut de ses 96 ans, le sous-officier n'a malheureusement pas eu la chance d'intégrer l'armée guinéenne. Focus sur l'histoire d'un homme à un destin cruel avec Abdallah Camara. Sergent Tamba Noël Ouamouno était un tirailleur africain enrôlé dans l'armée française dans les années 40 comme engagé volontaire. J'ai trouvé des amis qui partaient pour l'armée. Je les accompagnais. Le blanc qui était là-bas, il a demandé, et lui? On dit qu'il est venu aussi pour l'armée. Je me suis présenté à lui. Il m'a recruté dans l'armée. C'est comme ça qu'il s'est bien rentré dans l'armée. Après 6 mois, il est admis au grade de caporal, puis caporal-chef et ensuite sergent. Lors d'un déplacement à Bamako, il aperçoit pour la première fois le camarade Ahmed Sékou Touré avant le départ de leur peloton pour l'Algérie. On est venu à Bamako pour aller au DRR. Ça veut dire détachement. Sékou Touré m'a trouvé là-bas. On partait au détachement. Il n'a pas salué. Il dit, où vous partez? Ça part, on part à Arsine. Il y avait la guerre là-bas. On est parti à Arsine. J'ai fait 2 ans. J'ai revenu en Cossi. Au cours du perfectionnement des sous-officiers africains, je suis encore reparti à Sékou, faire le peloton
des sous-officiers africains. C'est-à-dire CAT2. La décision pour la Guinée d'acquérir son indépendance avait pris de l'écho dans la sous-région, même au sein des troupes. Sergent Tamba Noël, alors en service, était contraint de voter oui au référendum organisé par le général de Gaulle. Il ne le cache d'ailleurs pas. Sékou Touré avait revoté. Il demandait l'indépendance. De Gaulle nous a informé que vous partez en Guinée. J'ai dit non, votez oui. On a voté oui à Bamako. On était 22 sous-officiers africains, guinéens seulement, 22. Dès après le nom historique, tous les sous-officiers africains de nationalité guinéenne ont été libérés. Sergent Tamba Noël va donc regagner Conakry, puis son village. N'ayant rien obtenu durant ses années passées dans l'armée française, il consacrera sa vie à l'agriculture avant de faire son entrée dans la fonction publique guinéenne. J'ai sauvé 7 ans. Qui tu es? J'ai fait les sommes. Le camarade dit, dis donc, tu ne viens pas rentrer dans l'armée. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a à l'armée? Je vais quitter maintenant. Il dit, non, je viens. On a préparé un concours encore. On était 200 concours pour la fonction publique. Deuxième des 200 sur 200, il m'a envoyé au centre émetteur symphonien comme gardien. C'est là que c'est fait. Et c'est là que je suis là encore. Un simple gardien. Voilà le triste sort du sergent Tamba Noël Wamounou, qui n'aura finalement pas la chance d'intégrer l'armée guinéenne. Ce, en dépit de tous ses efforts, mais sa résilience face à son destin est d'une grandeur sans précédent. Père de 13 enfants, sergent Tamba Noël Wamounou a ses 96 ans. Il vit encore à la cimenterie, en haute banlieue de Conakry. Le sous-officier passe ses derniers instants auprès de ses fils et petits-fils. Sport pour finir, les années se suivent et se ressemblent pour l'international guinéen Serou Guirassy. Le joueur du Sili National continue d'impressionner sur les pelouses européennes avec un début de saison fracassant sous les couleurs du Borussia Dortmund. L'attaquant guinéen enchaîne les performances de haut vol. Il s'illustre de nouveau en Ligue des Champions ce mardi face au Celtic, ajoutant un autre doublé et une passe décisive. Germaine Mansaré. Le Guinéen Serou Guirassy continue d'émerveiller les fans du Curon. L'attaquant du Sili National réalise un début de saison fantastique avec le Borussia Dortmund. L'un des meilleurs buteurs d'Europe du dernier championnat affiche déjà 6 réalisations sous son compteur but en seulement 5 apparitions. Après son doublé en Bundesliga la semaine dernière, Guirassy a encore fait trembler les filets ce mardi en Ligue des Champions. Face au Celtic, le Borussia s'est largement imposé 7-1. Et l'attaquant guinéen a délivré une passe décisive plus un doublé. Un premier doublé du joueur en Ligue des Champions sous les couleurs du Borussia, des débuts reçus pour Guirassy qui ne s'arrête plus. Considéré comme le meilleur grand atout offensif de son club, Serou Guirassy dans la meilleure de ses formes met tout le monde d'accord. Son incroyable performance prouve à suffisance les qualités du joueur. Le deuxième meilleur buteur en Bundesliga la saison dernière veut une fois encore confirmer ses exploits. Et voilà, c'est la fin de ce magazine. À tous, merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.